Les dents coulaient, l'irée passe au salé. Pourtant qu'on saute doucet, danse dans les cuirs. Les dents coulaient, l'irée passe au salé. Pourtant qu'on saute doucet, danse dans les cuirs. It's burning in me. It's burning in me. It's burning in me. Taste of life. I see it as the breeze. Cuny fait partie de nos partenaires privilégiés sur le marché français de longue date. La Cuny's Cup est une initiative de Sun Resorts à l'époque, d'Air Mauritius et de Cuny. Aujourd'hui, nous sommes sur l'hôtel Long Beach, 5 étoiles sur la côte est, sur la plage de Belmar, un site somptueux qui s'étend sur 36 hectares avec 1,6 km de plage. Le Long Beach est un hôtel qui, quelque part, met un petit coup de vieux à beaucoup d'autres hôtels à l'île Maurice, puisqu'on est sur un concept beaucoup plus moderne. Et dans le cadre de tout notre rebranding, on est reparti sur un concept Mauritius New Style. Donc vivre l'île Maurice un peu différemment avec beaucoup de nouvelles expériences sur cet hôtel. On a en fait, dans le cadre de notre rebranding, développé toute une collection d'expériences sous l'appellation Come Alive Collection, et donc avec des expériences autour de la gastronomie, autour de la mixologie, autour de la biodiversité également, notamment au Long Beach. On a eu le plaisir de découvrir déjà, bien entendu, l'Ambre et l'île aux Cerfs. Et nous arriverons sur la côte ouest où nous avons deux hôtels, la Pirogue en 4 étoiles supérieures et le Sugar Beach que l'on vient de rénover et dont nous avons fait le lancement en même temps que le rebranding, donc le 1er décembre dernier. Sun Resorts existe depuis maintenant 45 ans sur l'île Maurice, fait partie des premières chaînes hôtelières installées sur la destination. Donc la particularité chez Sun Life, c'est d'avoir des hôtels qui ont tous un concept très différent les uns des autres. Donc on a, dans le cadre de ce rebranding, développé Sun Life de manière à ce qu'il y ait un vrai lien entre ces différents établissements. Mais au niveau de notre clientèle, on a autant une clientèle familiale qu'une clientèle au voyage de noces, qu'une clientèle également parfois adult only, comme c'est le cas sur Ambre, avec son concept dédié. Il était important pour nous de revigorer un petit peu la marque, donc nous avons développé cette nouvelle marque pendant toute cette période de pandémie, en travaillant beaucoup avec nos employés. Et donc c'est plus qu'un rebranding, c'est vraiment un changement de philosophie, un changement de concept qu'on a souhaité mettre en avant et que l'on a dévoilé le 20 octobre dernier. Ce concept d'éléphant. Non, c'est un lapin. Ah, c'est un lapin, pardon. Vais danser, monsieur. Tu vas danser. Vais danser, quand je vais essayer. Okay. Moi, je suis un peu un crayon de bois, tu vois. On arrive alors. Bah.